Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Naruto Storm. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo qui sera un test sur Naruto mode Ermite Rikudo. Comme vous l'avez demandé en commentaire, du coup je l'ai fait. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire un perso que vous voulez que je fasse un test ou même des concepts à faire sur Naruto Storm et je le ferai volontiers. Alors nous voilà en entraînement, donc je vais un peu vous montrer ses attaques principales. Donc déjà l'attaque Triangron, donc il balance une orbe shuriken en gros. C'est un peu comme la boule de feu suprême d'Itachi ou même toutes les boules de feu suprême, c'est un peu le même type d'attaque, genre ça attaque de loin et ça met pas mal de dégâts, ça peut être bien pour temporiser l'adversaire. Après il y a son attaque spéciale, donc Triangron. En gros il rush l'adversaire, par exemple imaginons l'adversaire il vous rush en faisant une raid chakra et vous voulez le surprendre, vous faites votre attaque spéciale et s'il n'a pas le réflexe de se protéger, ben vous le touchez dans votre attaque en gros. Un autre truc pas mal avec ce perso aussi c'est l'incliné. Donc je rappelle, pour faire l'incliné c'est vous faites un coup de joystick plus rond. Donc un coup de joystick plus rond. Et en gros il balance une balle, enfin il balance ses boules en gros qu'il y a derrière lui. Et ça peut être sympa par exemple si l'adversaire il est en train de récupérer son chakra, qui s'y attend pas, hop, vous faites ça. Ça fait même pas énormément de dégâts mais ça l'éjecte loin. Et ça peut être bien pour temporiser eux quoi. Aussi ce perso il a un gros point fort, c'est son mode éveil. Donc il se transforme en Kurama et il est vraiment vraiment très très puissant. Déjà il met la blinde de dégâts, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Et aussi par exemple le Triangron de Kurama, c'est une orbe shuriken mais 10 fois plus puissante et vraiment vraiment très fort. Alors nous voilà online, j'ai trouvé un adversaire. Du coup je vais prendre Naruto mode Ermite Rikudo avec Sasuke, Rin Sharingan et Sakura. En gros je vais prendre l'équipe 7. Ok, alors en face il joue Minato avec Tobi et Sasuke The Last. Allez, c'est parti. Ok, il a voulu commencer avec son Triangron, j'ai fait la même. Parce que moi vu que j'attaque de loin, je l'ai touché. Oh putain, non, putain, j'ai pas vu les... Enfin, je vous avais vu, mais je me suis presque quand même. Ok, j'ai réussi à anticiper. Ok, il a failli se remanger, je crois qu'il l'a esquivé. Ok, putain, je fais pas exprès, putain, moi je veux le rush en raid chakra. Prendre la poule, récupérer mon chakra parce que là je suis dans la merde. Donc là on a tous les deux plus de permute. Parce qu'il a l'avantage là. Et ouais, j'ai plus de chakra. Ouais, là, je peux rien faire. Ok, j'ai mon mode éveil. Et c'est parti. Là c'est mon moment, faut que je rattrape un peu le retard. Putain, j'ai plus de permute, ça me casse les couilles. Allez, allez, allez. Ah non, là je suis mort. J'ai un HP là. Ah, dommage. Bon, j'ai réussi à remonter quand même avec le mode éveil, mais voilà quoi. Voilà, j'esquive facilement. Oh putain, j'ai cru que je me suis prise, mais c'était Sakura qui s'était prise. Putain, la mine, je suis aveugle. Ah dommage, j'ai failli passer. L'attaque spéciale. Ah, il est fort en face. Hein. Ok, ça c'est juste à me protéger. Comment? Non. Oh non, là je choque là. Ça va être difficile de remonter mais c'est faisable. A savoir, bon c'est pas une excuse hein, mais en fait j'ai jamais joué Naruto mode Rikudo online. Donc la deuxième ou troisième fois que je le fais là. Du coup voilà quoi, je le fais parce qu'on m'a demandé en commentaire en fait. Sinon j'ai pas du tout l'habitude de jouer. Bon, après c'est pas une excuse hein, mais bon. Ah putain, il y a les mines de Tobi en face, elle me casse les couilles. Ah ouais, beaucoup trop fort en face. J'ai aucune chance. GG à lui. Walking.
Alors, second adversaire, donc je prends la même compo que tout à l'heure. On va essayer de rattraper la défaite que j'ai faite tout à l'heure en fait. Ok, il joue Kakashi et Obito. Ok. Allez, c'est parti. On commence direct avec leur shuriken. Il s'est protégé, c'est pas prise. Ok, il joue Kakashi avec la boule de feu suprême. C'est bon à savoir. Il joue pas Chidori. Ok, il s'est pas pris l'attaque de Sakura. Putain, mais je fais de la merde. Ok, il a esquivé le Chidori de Sasuke. Putain, je lui ai pas mis un dégât depuis tout à l'heure en fait. Ok, tranquille. Ok, j'essaie d'anticiper une red chakra de sa part. Ah, là, j'ai plus de temps, mais en fait, enfin, j'en ai une. Du coup, je suis un peu en mauvaise posture. Ah putain, il esquive. Allez, il est trop loin là. C'est bon. Tranquille. Merde, mais putain, je vais pas faire ça. Oh là, je te choque vraiment. Bon, allez, on se rattrape. Bon, ben non, on se rattrape pas en fait. Ok, Kurama qui fait le taf. Ok. Allez, là faut que je remonte là, c'est... Là j'ai plus de vie. Je vais balancer l'attaque de Sakura. Oh merde. Oula. Ah, c'est moi qui suis dans la merde, non? Et ouais. Bon allez, on peut, je peux toujours rattraper. Ok, l'attaque d'Obito que j'ai esquivé avec une permute. Putain, ça me casse les couilles. Attends, il s'est pris l'attaque Sakura là, ouais, nickel. Allez, prends-toi ça, putain. Ok, là il a plus de permute. Non. Putain, comment... Ça m'énerve. Non, bon, tu m'as pas comme ça, frérot. Aïe aïe aïe. Ok, le mode éveil. Là je dois finir le tap parce que sinon là, je suis mort. Bon mais je suis encore en vie. Il active ton mode éveil, frérot. Mais putain, mais c'est pas ça que je veux faire. Allez, viens me rush. Putain, mais il a esquivé même ça. Ah bah ouais, je me suis fait aise. Je me suis fait aise toute la vidéo. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré mon enchaînement de défaites. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, les abonnements, les commentaires. Aussi n'hésitez pas à mettre en commentaire des concepts que je pourrais faire sur le jeu Naruto Storm 4 ou même des persos à test. Ou aussi vous pouvez aller voir mes dernières vidéos, donc c'est d'autres tests sur plein de persos de Naruto Storm. Cette fois-ci j'enchaîne pas plein de défaites. Et sur ce, bah c'est ciao.